En Allemagne, c'est un cauchemar qu'ont vécu des passagers à l'aéroport de Francfort, secoués par une grève des personnels de sécurité ce vendredi. Le syndicat allemand des services Verdi avait appelé à observer des débrayages de 2 h du matin à 23 h. Des milliers de passagers ont vu leur vol être retardé. Dans l'après-midi, le nombre de vols annulés s'élevait à près d'une centaine. Je vais à Helsinki et maintenant j'ai entendu dire que tout le système de contrôle de sécurité est complètement fermé, déplorait ce passager finlandais. Maintenant, nous devons essayer de récupérer nos bagages. Il semble qu'ils n'ont pas de procédure pour cela, s'inquiétait ce passager britannique. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de récupérer leurs sacs parce qu'ils ne peuvent pas prendre leur avion. C'est le chaos absolu. Ce n'est pas très allemand. Les grévistes réclament une hausse du salaire horaire à 16 euros. D'après le syndicat Verdi, le personnel de sécurité est payé de 10 à 13 euros de l'heure. Des négociations salariales sont prévues le 5 mars.